d'abnégation sur le terrain. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Alhamdoulilah, on termine l'année avec deux belles victoires à la date FIFA. Et on va préparer la date FIFA de mars, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Vous êtes un président comblé. Absolument. Quand on est champion d'Afrique et on reprend, c'est-à-dire la compétition avec deux belles victoires en qualification de, sans parler des matchs amicaux et notamment le match contre la Colombie. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense que la sélection nationale est vraiment sur le bon chemin. À la collègue, le Mahrez est un absent excusé, aussi bien que Brahimi. C'est des garçons qui sont très importants dans le groupe. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le groupe qui est vraiment mis en avant. Et je pense que c'est ça la grande prouesse de Jamal Belmadi et son staff. Ils ont su vraiment donner du caractère à cette équipe et faire en sorte à ce que ça soit vraiment toujours le groupe qui soit mis en avant. Apôtre du bon football, vous avez certainement apprécié le but de Blaise. Magnifique. Quand on aime le football et on connaît les capacités de ce jeune qui malheureusement aurait pu être sacrifié. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, quand on le voit yani, revivre et surtout donner de la joie au peuple algérien, on est très content. Merci.